On redescend vite fait, on cherche quelques bobines. Hop. Merde, le pad il est là-bas. Tu vas où? Ah, dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 10e épisode de Satisfactory. On se retrouve sur les hauteurs au-dessus de notre petite usine à style que nous avons fait. Épisode précédent, donc là l'usine qui est à l'arrêt parce que bah, du coup voilà, on n'a rien fait derrière, donc là les buffers sont pleins. Moi j'ai enlevé les petits coffres ici pour commencer, enfin j'ai déplacé du coup les coffres qui sont juste ici, mais là du coup voilà, les buffers internes des fonderies sont pleins, ici les deux coffres sont pleins, ici c'est des machines qui servent à rien, ne vous en faites pas. Donc moi du coup entre cet épisode et le précédent du coup j'ai apporté petite modification au niveau d'en bas, donc comme je vous avais dit du coup j'ai rajouté un petit 30 items, enfin 30 minerais de fer par minute, clac, qui arrive normalement sur ce convoyeur. Donc là vu que tout est tout à l'arrêt au dessus, moi j'ai coupé ici le petit système. Donc là on avait un petit filon de fer pur, si jamais on va ici, clac, on peut regarder, voilà, iron ore pur. Donc j'ai juste mis un petit mineur MK1 dessus, comme ça on mine à 120 par minute. Le 120 du coup qu'on divise par deux une première fois ici, donc on est à 60 par minute ici et 60 par minute ici, et du coup le 60 par minute qu'on redivise par deux, donc ici on prend 30 par minute qu'on envoie sur ce convoyeur, clac, et qu'on vient splitter à la sortie du mineur MK2 qui envoyait déjà le fer au niveau de la production de steel. Donc comme ça du coup on monte avec 270 par minute et notre convoyeur est bien un convoyeur de 270 items par minute. Donc là on arrive à la même vitesse que pour le charbon, donc ça c'est plutôt cool. Après là par contre où je me suis rendu compte qu'il y avait un petit hic, c'est que de la façon dont c'est fait, tant qu'on n'a pas débloqué les convoyeurs MK4, on ne pourra pas ressortir du charbon de manière automatique pour alimenter nos générateurs. Donc, au pire c'est pas très grave, hein, on remplit vite fait notre inventaire en 30 secondes et on remplit 3-4 coffres de buffer et puis on est tranquille pour une bonne... pour quelques heures facile, donc au pire voilà, c'est pas très très grave pour le moment, on va attendre, enfin, je vais attendre du coup les convoyeurs MK4, au moment voilà on aura une production de steel qui va déboîter, parce que là si on ressort le steel avec un convoyeur MK3, qu'on le split et que du coup on n'atteindra pas la vitesse de 270 items par minute, étant donné que les convoyeurs se déplacent à 270, donc si on split hein, 270 en deux, on aura 135 derrière, on n'aura pas 270, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on attende les convoyeurs MK4, comme ça on pourra bien d'un côté enlever 270 et de l'autre côté enlever genre 120 plus 60 ou un truc comme ça, ou un truc que ça fasse 270, 450 derrière. Je pense qu'il y a moyen de se prendre la tête sur ce petit côté. Donc j'ai rajouté aussi des petits treated pads, histoire de se déplacer comme ceci. Paf. Ah non, on a fail. J'aurais dû te déplacer sur le côté. Normalement celui-là tu le prends un peu sur le côté. Tu vois, normalement tu fais un truc comme ça, là, clac, tu prends sur le côté, tu reviens ici. Hop. Et comme ça on arrive directement à la fabrication de steel. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On a quand même l'autre côté pour monter directement au générateur de charbon. Et là du coup quand on veut redescendre en mode rapide, on fait tout simplement comme ça. On arrive ici dans le jelly pad. Paf. Et ici on n'a plus qu'à aller à notre petite zone de stockage, récupérer les 2-3 conneries que nous avons récupérées et repartir, paf, refaire du craft. Donc là de temps en temps ça passe, de temps en temps ça passe pas, là ça a l'air de passer, c'est plutôt cool. Donc là on va essayer de le... Ah! Fuck! Presque réussi. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt kiffant comme petit truc. Donc du coup retournons à nos petits moutons. Donc on va déjà s'occuper de ces deux petites fonderies. Donc là on voit qu'elles sont complètement full en charbon et en iron. Donc ici on sait que ça produit du steel à 30 par minute. Nous si jamais ici on va vite fait voir, hop, par là-haut, clac, ce petit gars là, si jamais lui, hop, on lui dit de nous crafter par exemple des steel beams, on voit qu'il produit, pardon, on voit qu'il produit à, enfin il faut qu'on lui envoie des lingots 30 par minute et il nous en produit 10 par minute. Si jamais derrière on va voir ce petit gars là et que voilà, on regarde par exemple les encaisses steel beam, on voit qu'il faut qu'on envoie les steel beam à 16 par minute. Nous ici on les envoie à 10. Donc si jamais ici, paf, on décide d'overclock la machine, donc on va la mettre à 150%. Donc normalement 150% de 10 en sortie, ça nous rajoute 5, parce que ça rajoute la moitié. Donc
là ici on m'a vite fait prendre hop, un petit stack de lingots. Ça j'aurais pu prendre dans la forge qui était juste à côté, ça aurait été plus rapide, ou même on avait un coffre juste ici avec des lingots. Bon, ça permet de niquer le stockage qu'il y a sur le côté là-bas. Tac. Et voilà, donc là vous voyez, ici on sort à 15 par minute. Étant donné qu'ici il faut qu'on soit normalement à 16, on va pas se prendre la tête à atteindre les 16, étant donné que sinon il faut qu'on rajoute une autre cellule pour overclocker. Et là surtout l'avantage c'est que vous voyez que en entrée du coup, vu qu'à la base on était à 30 et qu'on rajoute là du coup 50% à la sortie, du coup on rajoute aussi 50% à la consommation, donc de 30 on est passé à 45 items par minute. Et vu que nous produisons à 30 et 30 par minute, c'est un truc assez simple à splitter. Du coup on va prendre cette sortie là, on va la splitter en deux, on va la rajouter à cette sortie là, et du coup on aura notre entrée à 45 par minute. Je pense que ça peut être un bon délire. Et comme ça du coup avec une fonderie, un constructeur, enfin une fonderie et demie et un constructeur, du coup on aura ce qu'il faut pour alimenter notre assembleur en seal beam. Donc après il faudra juste qu'on se prenne la tête pour emmener les 20 concrètes par minute. Mais bon, ça c'est pas très grave, donc là ici on va juste récupérer hop, la petite capsule d'overclockage. Ici du coup nous allons placer, je pense dans un premier temps on va placer tout ce qui est déjà splitter et machin, parce que si on place le constructeur ça va à un moment donné nous dire désolé tu peux pas placer ce petit gars là. Donc là vous appuyez sur CTRL. Oh. T'inquiète, t'es pas bien linké là, pourquoi tu veux pas te... comme par hasard. Là il va pas vouloir se... parce que normalement quand on se met près de la sortie, qu'on appuie sur CTRL, ça l'aligne à la sortie. Là par contre je sais pas pourquoi, il a pas envie de l'aligner. C'est souvent comme ça. Pourquoi tu te mets là-bas toi? L'aligner sur le coffre, bon tu sais quoi, c'est pas grave. Tu veux faire le dissident? On va faire le dissident. Donc là on peut sortir avec un petit convoyeur MK3 normal. Ici du coup on a dit qu'on le... non c'est pas un splitter en plus qu'il fallait mettre ici, c'était un mergeur. Tu vois, ça y est, tu commences déjà à faire des boulettes Mino. Ça y est, ça commence. Clac, on a dit que celui-là on le mergeait. La sortie, hop, on va la mettre sur le devant. Ici normalement tu es bien relié, enfin, tu es bien en face du moins. Oh, tu galères. Oh mais oh. Clac. Ici du coup là nous allons mettre hop, le splitter. Tac, l'entrée est bien là, impeccable. Clac, c'est pas ce que je voulais faire. Ici, hop, on va prendre ce petit gars là. Clac. Celui-là du coup on va le splitter par ici. Et on va mettre le petit constructeur. Clac. Sur le devant, l'entrée on va la mettre de l'autre côté. Ici on va se mettre comme ça histoire que tac on puisse te connecter correctement, même si là je pense à mon avis tu vas nous dire tu peux. Waouh. Le petit tu m'aurais dit il peut pas et là il... Ok on accepte. Touk, on va te mettre par ici normalement. Il accepte aussi, mais c'est extraordinaire. Donc là t'as dit qu'on va te mettre steel pipe, donc en plus t'as 15 par minute, donc c'est tout simplement nickel. Et ici hop, steel beam. Clac, on va lui mettre la petite cellule d'overclocking, on va le mettre à 150%. Et dès que la machine va crafter, du coup ça va se mettre à jour à l'intérieur. Donc ici on va prendre les petits nouveaux fancy poles MK2 que nous avons débloqué y a pas très longtemps. Ce qu'on te met, on va plutôt te mettre derrière au pire, comme ça t'es sûr que tu vas pas nous gêner. Clac, pour placer la suite, t'es déjà dans des trucs placés. Touk. Clac, tu sais quoi, on va en mettre un au milieu. Toi au pire petit, on va t'enlever for the moment. Ah, on n'a pas pris de béton. On n'a pas pris de béton. On va vite fait en chercher.
détruisent là. Béton, c'est ici. Tac tac, c'est bon, béton c'est fait. On remonte vite fait. On va perdre un peu plus de temps du coup. C'est pas grave. On va la rompre juste ici. Ah, pas fait comme ça. Vraiment sympa d'empêcher le petit truc pour se déplacer là. Je trouve vraiment ça sympa. Touk 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 touk. Paf. Tac. Ici on va vite fait récupérer ce petit gars là. Toi on va te raccrocher ici, toi on va te raccrocher sur celui là tac, et voilà, comme ça ça fonctionne. Ok, donc ici du coup sur celui là je pense qu'on va mettre un constructeur pour faire on refait le même setup, comme ça du coup on peut mettre deux assembleurs pour faire des encaisse steel beam. Et ensuite du coup on aura un constructeur pour faire juste des steel beams, et on peut prendre une fonderie, la diviser en deux et faire deux fois des steel pipes avec. Je pense que ça peut être sympa. Donc on va essayer de se remettre le même setup si c'est possible. La place de faire ce que nous avons envie. Tac. Tac, voilà. Ah, du coffre. Crac. Ok, donc là du coup nous allons mettre le mergeur. Là, il est bien fait là, j'appuie sur CTRL et il s'est bien décalé. Et là ici nous mettons le petit splitter. L'entrée par ici, là si on appuie sur CTRL, là voilà, il s'est encore bien décalé. Je sais pas pourquoi des fois ça le. Bien décalé, il faut le dire vite. Bien décalé, faut le dire vite, dis donc. Oh. Tu fais plus ça toi, ok? Galère pour placer un truc, c'est le dernier, s'il te plaît. Pas bien. Ah bah si c'est bien comme ça. Pourquoi je me prenais la tête? Tac 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 tac. Tac, on te merge par là. Ceci, donc te fait comme ceci. Toi ici du coup nous te mettons les steel pipes, et toi du coup ici nous te mettons les steel beam. Vite fait chercher un petit truc d'overclocking et on se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve. Donc du coup moi j'ai fini de placer les constructeurs, donc là ils sont reliés, mais voilà ils sont full. Il y en a même qui sont pas encore reliés en énergie, comme celui là par exemple. On peut faire, hop. Voilà, tout de suite comme ça c'est fait.
Ici du coup on fait des steel beams. Ici on fait également des steel beams histoire d'avoir un peu de stockage. Ici du coup on fait des pipes. Ici on fait des steel beams qui vont nous servir à crafter du coup des encase steel beams. Ici on refait des pipes et ici on refait des steel beams qui vont nous servir à faire des encase steel beams. D'ailleurs ici il faudrait qu'on rajoute la petite upgrade. Tac. Et on te met à 150%. Clac. Donc du coup pour on va te faire un petit test histoire de clac. Toi du coup si on décide de... Après du coup il nous reste encore le concrete à ramener. Non là-bas c'est pas ce que je voulais faire. Arrête tes bêtises. Tac 3. Toi si jamais ici on décide de... Ah oui si tu passes. C'est pour ça. On va faire comme ceci. Toi du coup on peut t'amener par ici. Toi on peut également t'amener par ici. Et là par contre du coup il va falloir qu'on te fasse sortir. Hop, tout de suite comme ça. Toi du coup on t'amène là-haut. Voilà, impeccable. Toi du coup ici on a dit qu'on produisait des steel pipe. Clac. Clac, donc on t'amène ici. Tac tac tac, il va falloir faire un truc un peu tricky. Toi du coup tu t'es des beams, on t'amène au stockage. Toi t'es des beams, on t'amène au stockage. Tac, donc ça ces deux là ils vont, eux ils vont au stockage. Les deux ici du coup c'est bon, c'est bien alimenté. Là ici on a des tac, à moins que celui là hop, on le fasse comme ceci. Clac, là on met attends, on va mettre un splitter sur celui-là. Attends, on va d'abord mettre le convoyeur juste en dessous parce que sinon il va nous dire qu'on ne pourra plus mettre le convoyeur après une fois qu'on aura mis le splitter. Eh, il a cru qu'il allait nous avoir le petit là, il est fou lui. Tac, on va le mettre par là. Ensuite, on va prendre le petit convoyeur. Il y a pas moyen de te faire un peu plus proprement toi. Dis-moi de par hasard. Et si on décide de te faire comme ça, on décide de faire un truc un peu plus propriné. Tac. Et là, t'es bien en face. Et donc là en gros ce qu'il faudrait faire, ça serait tac. Ici on va remettre un petit mergeur. Ici par exemple, si on prend un convoyeur, on va ramener par ici. Comme ça du coup là en fait on va avoir un 5 par minute. Donc là en plus on peut rester tout droit, donc c'est nickel. Clac, donc là on arrive avec un 15 par minute. Ici on va le splitter en 3, donc là on va rajouter hop, un petit mergeur. Juste ici, clac, ici on reprend un petit convoyeur. Non, mais non, t'as même pas le droit de nous faire ça. Ah non, 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 là t'as pas le droit de nous faire ça. Là, je t'annonce, tu n'as pas le droit. Là en gros c'est la machine en face, la hitbox de la machine en face qui nous gêne, on est trop près. Non. Pourquoi? Pourquoi?
Enfin, quoique au pire, ça fait la même. Dans le sens où. Comment dire. Dans le sens où nous on allait envoyer du 20 là. Là on va envoyer du coup du 15 plus 15 divisé par 2, ça fait du coup 7 ou 8. Donc ça fait du 23. Étant donné que les bobines de copper qui vont arriver ici pour faire des stators, bah, on en produit plus. Donc c'est pas vraiment le problème. Après tout ce qui n'est pas utilisé ici, ça va continuer pour aller au stockage. Donc au pire. Ça arrêtera pas la, la ligne de production derrière, ça c'est pas. Au pire c'est pas très grave si on peut pas mettre le splitter ou autre. Y a pas mort d'homme, y a pas mort d'homme au final. Clac, on va pas se prendre la tête que ça. Clac. Clac. Ici du coup on va vite faire remettre les fondations que j'avais enlevées pour faire un truc, mais au final j'ai réfléchi autrement. Clac. Avant d'être bloqué. Hop, on va vite faire remettre les petits murs. Tac. Il va pas vouloir, faudra qu'on enlève le poteau, je le ferai plus tard. C'est pas très grave. Paf. Donc là je redéplacerai les poteaux hors caméra. Clac clac clac. Donc toi ici on arrive ça c'est pour du stockage, ça c'est pour du stockage. Ah il y a peut-être du coup ce petit gars là qui va nous embêter. Donc au final est-ce que je décalerai pas quand même le tout, c'est histoire d'être d'être aligné par là là. Je vais refaire un truc comme ça, normalement ça devrait devrait mieux passer et peut-être du coup qu'on sera pas embêté pour je fais la petite modification et on se retrouve tout de suite. Donc qu'est-ce que je vous avais dit que le fait de décaler le tout ça allait nous permettre de hop, placer ce petit gars là. Donc là on est bien à 5 par minute de chaque côté, donc ici du coup on est à 20 par minute pour 18 et on va stocker également du coup 25 par minute, donc on rajoute 10 à ce petit convoyeur ici, donc là on passe à 25 par minute. Donc là ici on va mettre petit stockage tac 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 tac, on avance encore, allez, un petit cran clac, et un autre pour les bims à côté, donc là le stockage est temporaire. Clac, donc toi du coup c'est pas moyen de faire un tout petit peu plus propiné. Eh, vas-tu te mettre par-dessus s'il te plaît. Clac. Clac, ouais, on va pas chipoter, de toute façon le stockage est temporaire. Donc tac, mais bon, chez Mino en général le temporaire ça dure quand même un petit moment. Tac, et toi du coup le dernier on va le mettre hop par ici. On prend la ligne, hop hop, normalement si on fait comme ceci. Ah tu fais un truc dégueulasse. Clac clac clac, normalement ça devrait être un petit peu plus propre. Passer un peu mieux. Donc tac 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 tac, et celui-là je pense que du coup on va le merger, donc c'est à dire clac, on va, non tu vas où, tu vas où, tu vas où, ah, voilà comme ceci. Clac, ici du coup on va mettre tout 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 tout, clac, hop, un petit mergeur, étant donné que les deux constructeurs qui est ici, enfin, qui sont ici font des steel beams, et les steel beams du coup nous on les envoie au stockage. Clac. Ah, mais je pense par contre qu'il va nous dire qu'il est trop pointu. Oui, donc au pire, hop, on va modifier le plan. Clac. On va te mettre tout simplement par ici. Touc, 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 touc. Donc, comme ceci. Là, hop,
te mettre directement. Qu'en penses-tu? Comme ça on n'aura pas de problème de clearance. Toi par contre on peut... Voilà. De ce côté-ci on peut te mettre là et on peut te mettre là, comme ça tu fais un beau petit virage. Et donc ici on aura les deux 15 par minute, 10 par minute pardon. Et donc ça va nous faire du 20 par minute qui se stocke. Donc ça c'est plutôt cool, bien sûr ça va se stocker si hop, on fait le petit virage de fin comme ceci. Tac. Et donc voilà, ici on a des petits pipes qui se stockent, on a des petits steel beams pour faire des convoyeurs MK3. Donc ça c'est plutôt cool, ça, on aura juste à le faire redescendre dans la salle de stockage plus tard du coup. Clac, donc là faudrait peut-être mettre un... Non c'est bon, ça sort bien. Donc là ici c'est bloqué, c'est parce que du coup maintenant faut qu'on apporte le béton. Ici du coup faut qu'on apporte les bobines de fil pour faire des rotors. D'ailleurs les bobines de fil, je pense que dans un premier temps on va tout simplement se remplir un coffre, parce que vous en penchez. Clac, comme ça ça va nous permettre d'avoir des stators à la main. Là je pense que on va nous dire qu'il y a un problème de clearance ou non. Non, on peut sortir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis à l'envers, c'est pas possible. Que moi pour faire ce genre de truc. Tac. Donc du coup, est-ce que si là on décide de te mettre en une seule fois, tu passes? Oui. Impeccable. Clac, comme ça on aurait juste amené les bobines du coup à la main à 60 par minute. Donc là j'ai bien mis un convoyeur 60 par minute. Normalement ça devrait faire l'affaire. Normalement ça devrait faire l'affaire. Et plus tard du coup on devra juste amener du coup le un convoyeur de bobines ici. Ça voilà, au moins ça sera. Mais là vu qu'en plus c'est des stacks de 500 les bobines, avant que ce petit gars là se vide, je pense qu'on aura crafté pas mal de stators. Et donc nous il ne nous restera plus qu'à nous concentrer sur le concrete, étant donné que concrete nous avons deux d'ailleurs on va prendre les mineurs tout de suite, comme ça on va les placer, tu vois. Hop, c'est là-bas que nous devons aller. Paf, ah ça y est, ici ça a fini de crafter les oui c'est full. Ici il en reste un stack pile poil à l'intérieur, tout qu'on va récupérer du coup. Hop, deux petits mineurs. Touk touk. Paf, on va aller par là-bas. Parce que du coup nous avons deux spots de limestone. Donc il y en a un ici qui est du coup lui normal. Et juste voilà, c'est par ici. Hop, nous avons un spot de limestone pur. Donc là en gros, étant donné que le constructeur, donc là, si jamais on en place un. Paf paf, hop, ici on va mettre le concrete. On voit qu'il faut lui amener 3 limestone à 45 par minute pour que ça nous sorte du 1 concrete, enfin 15 concrete par minute. Donc ce qu'on va faire c'est additionner les deux, donc c'est à dire 120 et 120 pardon ici et 60 ici, parce qu'on va juste mettre des mineurs MK1 et du coup ça va nous permettre d'alimenter 4 fabricateurs de concrete. Donc normalement 4 ça va nous faire pile poil les 60 par minute dont nous avons besoin, parce que si on additionne les 15 en sortie ça va faire les 4. Et si je me souviens bien, normalement on va replacer un assembleur histoire de voir la vitesse. Mais là si jamais on met les en case, ah non, faut lui amener à 20 par minute, autant pour moi. Donc là on va sortir à 60 et on prendra du coup 2. Enfin, on prendra la sortie qu'on additionnera pour faire du 60, qu'on redivisera par 3 pour avoir 20 20 20, et du coup on prendra 2 20 qu'on amènera là-haut, et du coup on prendra un 20 qu'on amènera au stockage. Mais du coup on verra ça dans le prochain épisode. Donc là je pense qu'on va se laisser là-dessus pour cet épisode, étant donné qu'on a déjà, bien avancé notre petite fabrication de style. Après c'est un truc qui va être en 3 parties, mais voilà, c'est pas très très grave, on prend le temps de bien faire les choses, histoire que vous compreniez, et puis que moi aussi du coup je ne sois pas perdu, hein, parce que ça m'arrive d'être perdu aussi de temps en temps, hein, j'ai un cerveau, je suis qu'un homme, hein, voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode où du coup nous craftons
enfin nous stockons en tout cas pour le moment des steel beam et des steel pipe, donc ça c'est plutôt cool. On a aussi préparé ce qu'il fallait pour crafter du coup des rotors. Tiens, j'aurais pu prendre du coup des bobines de fil aussi, comme ça nous aurait fait des stators aussi d'avance. On va vite fait chercher des petites bobines de fil. Avant, on va poser notre stuff juste ici. Clac, comme ça on est sûr de le retrouver. Hop, stop call. Stop call. On redescend vite fait, on cherche quelques bobines. Hop. Merde, le pad il est là-bas. Tu vas où? Ah, dommage. Il a failli l'avoir. Hop, on va passer par la petite usine de fer. Clouc, clouc, clouc. Tac, on va descendre par ici. Hop. Le stockage est là-bas. Tac, take all. Oui, on prend tout, on est comme ça. Du coup, tiens, on va relancer vite fait. Ou faudra que je dévie du coup le stockage qu'il y a ici. Bah tiens, tu sais qu'on va le faire. Hop, tout de suite. Cette partie-là, du coup, c'est la partie qui va là. Et la partie d'en bas, du coup, c'est la partie qui fait les bobines. Oui, partie d'en bas, c'est la partie qui fait les bobines. Donc c'est nickel. Clac, donc on va juste le connecter. Donc on va vite fait tout déconnecter, José. Ici, nous avons la sortie qui est ici. Ah bah oui, on a rien de ce qu'il nous faut. Bon, on va le mettre à 60 par minute, parce que de toute façon, les deux fonderies sont faites pour du 60 par minute derrière. Merde, du coup, les plaques, elles sont là. Ah oui, on a l'inventaire qui est full. Hop, on stocke vite fait quelques bobines. On prend hop, un petit peu de rod, un petit peu de plate. Hop, un petit stack de concrete. Hop, pour faire les petits poteaux, si jamais on a besoin. Et tac. On va vite fait relancer ça. Ça va nous dégager tout ce petit stock ici. Tac, voilà, c'est temporaire. C'est tac, 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 tac. Donc on va vite fait remettre ça, récupérer les bobines, on remonte en haut. Histoire de lancer la fabrication des stators. Tout dégage, tu reviens par ici. 1, 2, 3, 4, et on peut remonter. Ah, tu fail. Hop, impeccable. Et paf. Hop, star roll. Ici du coup il ne reste plus qu'à alimenter. Ce petit gars là, on n'a pas de cap sur nous, juste falloir qu'on récupère notre stuff. Hop, take all. Ouais. Hop, take all. Comme ça on va pouvoir du coup alimenter ce petit gars là. D'ailleurs on va même pouvoir hop, placer un petit poteau, un poteau pour tous les alimenter. Hop, tac, tac, tac. Et allez mon petit gars, finis-nous dit craft. Donc là c'est le temps que le premier craft se lance, mais normalement le temps que ça fasse le craft, vu qu'on l'alimente à 60 par minute, le temps que ça fasse le craft, on devrait avoir nos 10 bobines qui devraient arriver à l'intérieur, et la machine ne devrait pas s'arrêter normalement. Paf, voilà, impeccable. Donc comme ça on a juste à placer comme d'hab un petit stockage temporaire juste derrière. Tac, d'ailleurs on allait sur les trucs, on n'a pas passé les mineurs, mais bon c'est pas grave, on fera un prochain épisode. Tac, donc toi du coup on va te mettre stockage organisation.
tac, comme ceci. Ici, on va te mettre. Hop, hop. T'es droit en plus. Ouais, ça y est, on produit nos stators. Donc ça, ça fait plaisir. Donc là, on produit du coup des rotors en automatique. On produit là des stators en automatique, enfin semi-automatique. Faut juste qu'on alimente le stock de vis. Mais bon, voilà, vous voyez qu'on est plutôt, on est plutôt pas mal. Et je pense que ça va nous crafter pas mal de stators avant qu'on soit en panne de vis de bobine de fil, pardon. Et donc on est plutôt pas mal. Donc là on voit quand même que vu qu'on alimente à 20 par minute les steel pipes, on voit que le truc augmente, mais après une fois que ça sera bloqué, le reste ira au stockage, donc c'est pas très très grave. Et donc par derrière du coup ça doit se remettre en fonctionnement tranquillement, mais là il y a juste les pipes qui fonctionnent, donc maintenant il va falloir qu'on rajoute le béton histoire de crafter nos encase steel beam, et ce sera bon pour la petite production de steel. Ça sera plutôt cool. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao.